La collection a commencé avec une image que j'avais trouvée, une image d'une voiture abandonnée dans un désert. La voiture était beige, un peu rosée, dans un désert, donc le sable avec un ciel bleu. Ça, c'était le début du voyage de cette collection, en fait. Donc je voulais quelque chose de désert, une femme abandonnée qui allait peut-être à une fête ou qui rentrait d'une fête et tout d'un coup, elle se retrouve dans le désert. Elle a ses talons. Mais les talons, évidemment, sont faits à partir de Rangers ou de Doc Martens. Elles sont retravaillées. Et après, ça s'ensuit. Donc, une collection hyperactive. Donc, c'est une collection qui est basée sur les vêtements de sport. Énormément de pression, de zip, de padding, de velcro. Enfin, tout ce qui vient vraiment de l'élément de sportif. Et après, que ça soit du motocross, de l'escrime, l'équitation, enfin, j'ai pris tous ces détails-là, mais en restant évidemment une collection extrêmement séduisante. Prendre ces éléments d'une vie très active et très moderne, et quand même, Guy Laroche étant une maison de luxe, avec des vêtements de haut niveau, avec des belles qualités, etc. Utiliser ces éléments et les retransposer dans un autre univers qui est justement de sortir, d'être belle, d'être séduisante et surtout sexy.